Bonjour les amis. Alors, je suis en train de filmer cette fois-ci, toujours avec le Rokinon 7,5 fisheye, qui vous pouvez constater n'est plus un fisheye quand on filme en 4K à cause du crop factor. Alors, le Lumix GX85 n'a un crop factor que de 1.1. Donc, c'est-à-dire 10% contre 25% pour le GX9, ce qui fait que, eh ben, écoutez, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, voilà. Là, je suis quasiment collé à, voyez, là, je touche l'objectif. Je suis quoi, à 40 cm de l'objectif si je m'éloigne. Vous voyez, voilà. Donc, comme ça, vous allez pouvoir comparer. Je n'ai pas encore décidé lequel des deux je garde. Alors maintenant, pour vous mettre en comparaison, eh bien, ce que je vais faire, je vais me filmer en 1080p. Et comme ça, on verra la différence, les amis. Alors, j'arrête de filmer à l'instant. Je cherche mon bouton, il est là. Et voilà les amis, alors là maintenant je suis en train de filmer, si je ne me suis pas trompé, en HD 60 images secondes. Donc on va voir s'il y a une différence. J'ai l'impression que ça croppe aussi, mais c'est peut-être une impression. Alors j'arrête et je vais me mettre maintenant en 24 images secondes. Et maintenant, je filme en 30 images secondes, les amis. C'est peut-être une impression, mais ils disent qu'il n'y a pas de crop. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rigoureusement aucune différence. Quoique vous allez me dire 10%, c'est peut-être quasiment invisible. Puisque là, je suis en 30 images secondes en HD, les amis. 30 images secondes HD. Je vais repartir en 4K, 30 images secondes. Et me revoilà effectivement en 4K à 30 images secondes. Alors effectivement, là, je me rends compte que le crop de 10% existe effectivement, puisque j'ai l'air d'avoir une tête plus importante. Est-ce que j'ai moins de déformation? Ou est-ce que c'est pareil? Je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la caméra dans la main et je vais voir si effectivement, en me promenant, est-ce que je vais avoir une déformation et est-ce que j'arrive à la tenir suffisamment droite pour ne pas avoir trop de secousses. Alors ça, c'est important aussi. Soi-disant que entre le GX, celui-ci, donc ce GX85 et le GX9, il n'y aurait pas de différence au point de vue de la stabilisation. Alors là, je suis en train de marcher dans la piscine et je vais poser la caméra maintenant pour pouvoir l'éteindre. Voilà, je l'ai posé et j'éteins ma vidéo.